Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. C'est avec une joie immense que je prends la parole à l'ouverture de la première édition de cérémonie d'hommage à 50 femmes haïtiennes modèles et inspirantes sur le thème « Femmes, socle d'une société ». Pour reprendre cette phrase, une femme qui réussit en inspire beaucoup d'autres. Je profite de cette occasion pour saluer les efforts consentis par de nombreuses femmes haïtiennes qui se sont engagées dans cette bataille. On vit dans une société machiste où la majorité des femmes haïtiennes ne sont pas vues de bon œil. C'est un être intelligent, radieux, extraordinaire, bourré de savoir-être et de savoir-faire. Elles sont victimes en tant que femmes. Elles subissent tant de violences verbales, physiques, psychologiques, sont maltraitées et dévalorisées. Cependant, l'autonomie des femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs économiques sont essentielles pour mettre en place des économies solides et des sociétés justes. J'ai le plaisir et l'honneur de vous adresser quelques mots en cette matinée d'hommage intitulée 50 femmes haïtiennes modèles et inspirantes. Je souhaite tout d'abord dire combien l'idée de SCO Tour Haïti et d'initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme, consistant à organiser cet hommage, nous paraît opportune, juste et nécessaire. Au premier abord, il peut paraître surprenant que deux organisations se consacrant au tourisme local prennent l'initiative de distinguer des femmes haïtiennes remarquables actives dans des secteurs très divers, allant du monde de l'entreprise à celui de la diplomatie, en passant par le monde de la littérature et des arts, de la gastronomie même, du journalisme, de l'éducation, et j'en passe. Et qui donc n'ont rien à voir avec le tourisme à proprement parler. L'idée a néanmoins sa cohérence. Si cette mise à l'honneur est censée indiquer aux citoyens et aux citoyennes que nous sommes que ces femmes haïtiennes remarquables ont tout pour susciter notre curiosité, tout pour qu'on mérite de s'intéresser à elles, pour qu'on les remarque, pour qu'on leur prête une attention bienveillante et soutenue du fait qu'elles représentent un patrimoine vivant, inestimable et reconnu. Une fois de plus, Haïti, malgré tout problème des gagnants, a réuni petit Lio pour un bagage de valeur. Et ça m'a manqué et qui frappait, c'est que une fois de plus, si nous mettons ensemble, nous avons construit des citadelles. Et citadelle pas non, c'est l'amour lié. C'est pas l'écriture lié, puisque nous sommes peuple oral, nous pas censés qu'on lit à écrit. Mais nous connaissons que c'est monde qui fait monde. Et si nous arrivons à côté de mon doctorat en histoire de l'art, c'est parce que, comme Tifi Okaï, moi, j'ai joué dans pile monde, là, je suis lycée Philippe Guerrier de Caille, pour me l'emmener, pour m'aider. Et ça, je me dis, c'est que je vis en Afrique, et en Afrique, je vais apprendre nos bagages. L'autre doit couler sale, et que l'IPA pour vous, ranger tes baluchons, chita bonne loi. L'autre doit descendre, l'arriver dans la cheville, ou le pommet s'éclair, traverser. Mais pour traverser, il faut que baluchon te parer. Et il ne faut pas peur foncer. Oui, très ému à chaque fois que vous recevez une plaque.
d'honneur dans un pays côté que y a plus détruit monde que y a honoré monde. Moi estimer tout collègue moi là yo comme des patrimoine puisque nous pas là jeudi. Et c'est encore un honneur parce que c'est jeudi on a rencontré représentants de institutions sans l'IFTH ainsi que SCOTUR. Nous pensons que nous toutes là qui a honoré jeudi, même j'ai avec moi, nous c'est le monde qui triait sous sac que nous posait, qui c'est des actes d'honneur. Et c'est ça qui fait nous recevoir honneur ça avec hommage ça. Moi, on remet plein ça comme on toujours fait. Pour me dire bon Dieu merci. Toute jeunesse qui suit nous disons Kébéla, Palagé, à l'école. Nous ne pouvons pas aller en pile, mais moi, pas pour moi, non. Pour que tout petit ça, comme écrivaine, comme femme d'État, comme femme politique, comme femme religieuse, c'est en pile bataille. Mais quel que soit genre dossier infini, quel que soit genre bataille infini, qu'on est depuis nous préparer, n'a pas surmonté. Et depuis nous, ouais, nous dans la prière, bon Dieu est capable de faire route pour nous. Après avoir entendu toutes ces femmes, je suis fière d'être femme. Parce que vraiment, sans la femme, le monde ne serait pas comme il est. Nous avons la même intelligence que les hommes. Mais qu'à travers le monde, ce n'est pas toutes les femmes qui ont eu la chance de s'exprimer. Mais en plus des hommes, nous avons le cœur. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc je remercie vraiment cette initiative d'honorer les femmes, puisque dans certains pays, malheureusement, elles n'ont pas leur place. Heureusement, en Haïti, nous pouvons quand même élever la voix et dire ce que nous pensons et faire réaliser ce que nous voulons. Donc là, je remercie IFTH et aussi SCOTUR Haïti parce que quand même, avec des jeunes, ça nous donne l'espoir qu'Haïti de demain sera bien meilleure que celle que nous, où nous vivons actuellement. Merci. Nous fiers et toute marche nous sentions confortable d'où parce que pas t'attendre ça t'a fait et malgré l'ensemble de tractations qu'a fait sur zone nan qu'a fait sur croix des boussales qu'a fait sur dans la saline je dis à la presse et parler écrit télévisé là il a vraiment que ça audio c'est pas ça situation qu'on a dit qu'a développé dans la saline non qu'a développé en dans marché croix des boussales là il a pas ça du tout nous pour nous venir faire constat nous sur l'autre image qui gagne de ça qu'on dit de croix des boussales pour normalement je te dis croix des boussales et la saline en général c'était une zone de non-droit. C'est une zone rouge qu'elle était. Mais je dis, si nous regardons, nous, dans le centre-ville, là, là, c'est une zone qui est plus fréquentée. Parce que nous passons à gauche, nous, c'est blocus. Nous passons à droite, c'est blocus. Avant de dire c'est une zone bandit. Mais je dis, ça, nous avons dit, c'est pas ça. Il n'y a pas une zone rouge vraiment. Marché, j'en ai constaté là, son marché qui a fonctionné normalement. Sur le plan sécuritaire, comme je suis chef sécurité ensemble avec moi là, marché a fonctionné normalement. Et dire, moi-même, c'est directeur marché en tout. Marché, nous, il a retrouvé, nous fonctionnons marché, pas de pression. Pas de monde qui a coupé, ça quitte moun encore. Pas de monde qui a pris les âmes sur moun pour penser au gain, pour porter l'aller encore. Moun a dormi en bas des ponts de marché quoi des boussales. C'est-à-dire, réalité qui est gagnée dans le passé, hein, je dis en pas gain encore. Toute machine est confortable, j'ai un pile sur le deal tout à l'heure. Nous avons tout fait contact. CNE t'es voyé, vient faire nettoyage de concert avec la mairie de Port-au-Prince. Mais c'était au cours du mois de décembre. Mais pour le moment, on n'a pas la voie là. Il y a des contacts qui ont fait, mais en rien pour qu'on marche pour qu'on lever Fatra qui gagne là. Maintenant, marché quoi les boussales qui ça gagne? Il y a des percepteurs. Normalement, percepteurs après gagner maro sur cap touché. Est-ce clair? Il y a des gens qui commettent une faction, mais ils restent marcher eux-mêmes, ils ne pas ouais mon nom. Mais à la limite, il y a des sanctions qui ont pris. Mais nous-mêmes, nous avons des percepteurs qui ont touché, qui ont maillot normalement parce que nous avons redévance envers la mairie. C'est pour ça qu'on mettait nous là. Parce que nous avons un job d'État. Ce n'est pas un job pas nous qui avons fait. La Constitution, c'est un projet haïtien, c'est un projet national qui est supposé ne pas laisser aucun secteur dans la vie nationale là, indifférent. Il n'est pas de laisser les jeunes indifférents parce que le texte qui va voter là, je dis, il va concerner l'avenir nous. Donc, l'hypothèque, c'est pour nous autres. Et l'avantage aussi, ça va être pour nous autres. Donc, je crois que dès lors que le texte-là lui-même est proposé à l'ensemble de la population haïtienne, selon le comité consultatif, ça a supposé fait le 13 de ce mois de janvier, eh bien, le pays en entier, mais en particulier les jeunes haïtiens de partout à travers la République, ils ont pour devoir pour lire le texte-là, pour comprendre, pour faire débat autour de lui et pour qu'au moment du vote, ils soient capables de prononcer
mais en connaissance de cause, prononcer justement parce que nous portons adhésion, prononcer parce que vous croyez que Texas est capable de refléter une dynamique de bon fonctionnement pour ce pays et une dynamique de vivre ensemble qui est capable de permettre que nous améliorer les conditions de vie de chaque grand haïtien. Bon, et pas forcément des articles qui étaient servis de barricade à l'émancipation jeunesse là, puisque c'est une constitution qui était parlé d'un pile aspect, monde, etc. Mais et seul ça nous a remarqué sur le plan politique en termes de jouissance des droits civils, des droits politiques particulièrement, où tu as remarqué que tu as un côté que tu mettais un peu de limite. C'est-à-dire, un monde qui a 18 ans, qui a la capacité de voter aux élections, mais il n'y a pas qu'un candidat. Donc, nous croyons que gain un travail qui vous fait approfondir à ce niveau pour garder est-ce que nous pas qu'à baisser l'âge de l'éligibilité en Haïti à l'âge de la majorité parce que on n'est pas à moitié citoyen. Donc, pouvoir jouer de ses droits civils et politiques, les supposer un bagage qui marchait ensemble et qui marchait dès lors qu'un citoyen a 18 ans. Donc, à la faculté de penser, à la faculté de raisonner, eh bien, citoyen ça aussi bien capable de jouer le électeur, aussi bien que le capable de jouer le candidat. Donc, niveau gradation que tu mettez dans la constitution 87 là, qui te fait que ça a 25 ans comme magistrat, député, mais que ça a 30 ans capable sénateur, à 35 ans capable candidat à la présidence là, je pensais que c'était un bagage qui était pas de fin trop correct dans la mesure où il était fait que il y a trop limitations qui baillent à participation réelle et effective jeune dans les affaires politiques et en particulier dans leur participation au concours électoral. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.